Qu'est-ce qu'une pensée poubelle? C'est une pensée qu'on a sur nous qui ne nous aide pas, qui nous fait sentir poche, pas bien, pas en contrôle. Juste une émotion qui n'est pas géniale. Souvent, c'est notre petite voix intérieure qui nous l'amène pour justement nous faire sentir plus poche encore. Puis là, l'instinct de survie embarque. Mais je vais vous donner un exemple. Je m'aime pas. J'aime pas mon corps, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai toujours été ronde, je suis pas capable de finir ce que j'entreprends. Toutes des pensées comme ça, c'est des pensées poubelles. Alors moi, je veux juste que vous travailliez là-dessus, à les reconnaître, puis quand vous les reconnaissez, que vous les avez dans votre tête, vous les mettez en boule, puis vous les jetez aux poubelles. Je le sais, c'est simple, sauf que ça fait des miracles, parce que ça vous permet d'avancer, d'avoir une façon d'avancer dans votre tête. Parce que quand on enlève nos pensées poubelles, tout d'un coup, on peut accepter d'avoir une nouvelle pensée, parce que les pensées sont des choix. Alors, d'accepter une nouvelle pensée comme mon corps peut changer, qui fait sentir un petit peu plus léger. Hein? On sent comme si on avait les épaules qui vont par en arrière, on se sent mieux. Alors, je veux juste vous dire que les pensées poubelles, jetez-les aux poubelles. Gardez-les pas dans votre tête parce que ça vous garde stagnante. Alors, tout de suite, vous prenez toutes ces pensées-là, puis vous les jetez aux poubelles, puis vous prenez une pensée qui vous permet d'envisager ou d'entrevoir un changement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais si jamais ça vous tente d'essayer plus, je vous invite dans mon manoir virtuel. C'est absolument extraordinaire. Il y a une version gratuite. Elle s'appelle le vestibule. C'est l'espace où tout le monde peut rentrer dans mon manoir. Évidemment, le reste du manoir est réservé à mes clientes. Alors, je vous invite à le télécharger. Si vous allez sur pourdebon.ca, vous pouvez avoir accès à tout de suite à mon portail et vraiment essayer le vestibule où est-ce qu'il y a des trucs le fun. Sinon, il y a des consultations gratuites aussi que j'offre toujours. Puis, si vous avez de la misère à embarquer, vous avez juste à me le dire, je vais vous aider.